Ne cours jamais après et une femme qui se distancie. Je viens de recevoir un mail, ok, d'un d'un jeune qui est en train de paniquer. Il est là, sa sa gonzesse, ça fait quoi Ça fait peut-être une semaine et demie. Elle lui donne pas de nouvelles ou elle lui envoie des messages du genre euh, toutes ces histoires-là. Des Le mec, il envoie des pavés de de ou de ou de Molière. Et elle lui répond avec ok, peut-être, non, je sais pas. Essentiellement, elle est en train de montrer un bas niveau d'intérêt. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que, comprenez un truc, les gars. On va attaquer dans le vif du sujet. T'as 95,5. Tu vas me dire, hey, SC, qu'est-ce que tu me dis? 95,5. C'est simple. T'as 95% des mecs et t'as 5% des mecs. 95% des mecs, lorsque leur copine se distancient, ils vont essayer de la forcer à rester avec eux, s'il te plaît. Ils vont essayer de rationaliser. C'est-à-dire, ils vont essayer d'amener des arguments logiques. Ce que t'es en train de communiquer, là, c'est que tu communiques de la faiblesse, gros. Bon. Et beaucoup de faiblesses. Parce que dans ton domaine avec les gonzesses, gros, ok, ok, Casanova, <laughs> c'est que, comprends que, il te faut des fondamentaux. Si t'as pas un minimum de fondamentaux qui viennent avec l'expérience, gros, c'est pas bon. Si tu montres trop d'attaches émotionnelles, ce que tu montres, c'est que t'es trop investi dans la relation. Et là, t'es en train, essentiellement, de tourner la polarité de ta relation avec la nana, que tu la prennes au sérieux ou pas. T'es en train de lui donner toutes les cartes en main. Et une nana fondamentalement, elle veut que ça soit l'homme qui ait le pouvoir, qui ait le contrôle dans la situation, pour la ligne. Ok, D'accord Ce que tu es en train de sous-communiquer, c'est que tu as besoin d'elle. Les gars, c'est terminé cette époque. Une femme, elle veut d'un homme qui tient un minimum à elle, pas de problème. Mais si tu montres que tu as absolument besoin de elle et que c'est elle qui, de, qui, qui devient le focus de ton attention, elle va perdre totalement de l'intérêt. Le plus tu cours après... Frère le plus tu cours après un chat, qu'est-ce qu'il fait Il part. C'est comme des chats, le mec. Ok. Le plus tu essaies de, de, de courir après une poule, qu'est-ce qui se passe Elle te fuit. Alors si tu mais un n'a pas essentiellement là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est toi à ton tour que tu fasses marche arrière. Ok. C'est-à-dire que tu fasses un miroir de ce qu'elle est en train de faire. Bon. Et pourquoi Parce que émotion... les femmes, elles réfléchissent avec les émotions. Et les nanas, elles vont dire, ouais, mais on nous apprend aussi les mêmes trucs. Si N'écoutez pas ça, d'accord, les gars L'homme, il est rationnel, la femme, elle est émotionnelle. Lorsque tu fais ça, tu... lorsque tu tournes ton dos, qu'est-ce que ça va faire le mec, psychologiquement Qu'est-ce que ça va faire, les gars Ça va faire que là, tu vas lui amener de l'anxiété dans son esprit. C'est-à-dire, elle va se dire, mais pourquoi Elle, elle, elle s'attend à ce que tu l'appelles. Parce que les 95% de gars avec qui elle a eu affaire, eux, ce qu'ils faisaient, c'était là, elle appelait, s'il te plaît, reste avec moi. Même si c'est un gros. Beaucoup de gars, le gars, il me dit quoi Il me dit aussi, ouais, mais c'est devenu une ex ou pas, comment récupérer son ex C'est simple, frère. Toutes ces histoires de stratégie silence radio, il y a une partie qui est vraie, les gars. OK D'accord Mais c'est surtout une attitude. C'est lorsqu'on te donne pas ce que tu veux, tu dis, pas de problème. Si elle te dit... Maintenant, les gars, je vais vous donner un petit de tuyau aussi. Non, non, il te dit, ouais, ça marche plus entre toi et moi. La meilleure pirouette, les gars, pour la crapulerie, faites péter les watts, les gars. C'est tu lui dis, ouais, je pensais, je pensais la même chose, tu vois. C'est pas trop ce que je veux, mais appelle-moi si tu changes d'avis. Et là, boum! T'as retourné la situation et tu fais partie dans, de, tu fais partie de quel cru, gros? T'as pris ta carte, ta carte premium. Tu fais partie des 5% d'hommes qui se respectent et qui montrent quoi, les mecs? Un minimum de dignité. Le secret, si tu veux récupérer une femme, gros, de ton passé, c'est quoi Disparais, donne plus d'attention. Fais ta life. Vie ta vie. Là, ce que ça va faire, c'est comme je t'ai dit, la nana, elle est émotionnelle. C'est-à-dire là, tu vas remuer ces émotions. D'accord C'est-à-dire que là, tu vas remettre l'attraction. C'est comme une... C'est comme un coup de briquet. Lorsque lorsque la, lorsque la pierre du briquet elle est cassée, il faut que tu mettes une nouvelle pierre dans ce briquet là. Et, et c'est quoi C'est lorsque tu enlèves ton attention. Frère, ne cours jamais, de jamais après une femme qui soit veut te quitter, soit devient distante, soit passe du chaud froid, etc. Après, il y a plusieurs cas de figure, les gars. Ok Bon, grosse cas de crapulerie Ok Plusieurs cas de figure. C'est si elle a perdu de l'intérêt parce que t'as mal agi. C'est-à-dire que t'as tu plus investi en elle qu'elle était investie en toi. Là, la, la femme, elle perd automatiquement de l'intérêt. OK Là, ce qu'il faut essentiellement que tu fasses, c'est tu fais... Détends-toi un peu, va, va au short, j'en sais rien, ok. Prends une tisane de camomille ou, euh, ou bois, j'en sais rien moi, bois, bois. bois Pose-toi, bois, mange des paquets de chips, joue à la console et attends qu'elle revienne, ok frère. Mais surtout, ne lui cours pas après parce que là t'es en train de lui donner tous les leviers et tu montres que aussi notre composante frère, c'est que t'es pas un homme qui a des options. Les nanas, elles apprécient, d'accord ça c'est la preuve sociale les gars. Les nanas, elles apprécient un mec qu'elle sait qu'il a des options. Après, je suis pas là à te dire qu'il faut que tu lui mettes devant elle euh, d'autres nanas. Bon, moi, à l'époque, ce que je faisais, les mecs, j'en avais rien à carrer. Lorsque je partais d'une relation, j'entendais direct une nouvelle ou de multiples nouvelles, etc., etc. Et je les mettais en face des, en face des anciennes nanas. OK Simplement parce que si on essaie d'insulter mon intelligence, moi, les mecs, des fois... Je dis de pas jouer à des jeux, mais moi, moi, des fois, je joue à des jeux. <laughs> ok, d'accord. C'est que, que je prenais pas ces choses-là au sérieux. Pour moi, c'était un jeu. Mais là, c'est simplement que c'est la preuve sociale. Ok, et tu peux communiquer de la preuve sociale simplement. T'arrêtes de l'appeler. Elle va se dire ah, mais s'il faut, il est avec une autre. Ok, parce que maintenant, elles vivent par leurs émotions. D'accord. Lorsqu'elle te dit je t'aime, cest te dit je t'aime dans le moment présent. S'il faut un jour après, elle t'aimera plus. Nous les hommes, on est plus sur la durée. D'accord Ok Donc, comprends un truc, frère. Ça, c'est le premier cas. Là, ça peut prendre une semaine, deux semaines en moyenne. Ça va remuer son anxiété dans son esprit. Ok, la gonzesse. Et là, malgré tout, les coachs qui leur disent, non, ne cours pas après un homme, il faut que ce soit lui qui court après toi. C'est simple, ces coachs-là, ils apprennent des techniques qu'on en a. Des, ils vendent des produits pourris, les gars, okay, au Gonzès, pour qu'elle reste frustrée et qu'elle continue à, co à consommer ce genre d'informations, parce que ça ne marche pas. Une nana, si tu, ici, un mec il court après une nana, lorsqu'elle fait marche arrière, parce que beaucoup, elles font aussi ça pour tester les mecs, okay, elles perdent de l'intérêt. Et elles se disent, ouais, mais tu vois, il est revenu avec des bouquets de fleurs et tout, j'ai fait un silence radio, il est revenu, etc. Mais je suis plus attirée par lui, je suis plus attirée par Mouloudou, okay, ou Abdul B de fer, que lui, met 5 heures à me répondre. OK simplement le principe de l'indisponibilité les gars ok Mais on continue ensuite à le deuxième cas lorsque là elle veut tester ses options Je dirais que hey, elle a 1 2 3 4 5 6 7 8 neuf 10 mecs dans la friendzone zone qui attendaient pour te remplacer essentiellement des mecs qui attendaient que toi tu foires là elle avait tout le pouvoir dans la situation la, la personne qui tient le plus de pouvoir dans, tout, dans toutes ces relations modernes en carton ok les gars c'est la personne qui a le plus d'options les réseaux sociaux le mec ils ont ils ont mais ils ont massacré le game, c'est-à-dire ils ont massacré les relations, les mecs, ok Parce que les nanas, de nature, elles veulent de l'attention, et ces réseaux-là, elles leur donnent ça, et c'est un puissant fond, les mecs, ok D'accord Mais là, dans le cas où c'est qu'elle veut tester ses options, plusieurs possibilités, ouais. Ok Est-ce que j'ai compris dans, dans ton message Ok C'est que, essentiellement, tu ne veux pas la perdre, la nana, d'accord Pas de problème, frère, ok Je ne suis pas là pour te dire, bon, euh, tourne le dos, respecte-toi toi-même, fais preuve de dignité. Là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'elle est en train d'entretenir d'autres gars, ok frère, d'accord. Donc, ce que tu veux faire, c'est essentiellement toi maintenant reprendre le levier dans la, reprendre le pouvoir dans la situation. Je vais te dire un truc, frère, tu pourras pas la changer. Ce qui est fait est fait. Ça a rien de, comme dans le cas numéro un, le mec, ok. Si elle n'en se distancie, ne montre jamais que ça t'a affecté. Là, elle est en train de, de tester, ok. Soit un homme accepte les choses pour ce qu'elles sont. Elle est en train de tester ses autres options avec d'autres gars. Ok, ce qu'il faut que tu fasses essentiellement, c'est tu fais marche arrière, ok, et ça c'est tes oignons, on n'a pas besoin de savoir. Tu fais marche arrière et tu commences à ouvrir tes options, tu commences à essayer de de, de, de rencontrer d'autres nanagros, ok, que tu rétablisses la balance du pouvoir parce que là, toi t'es trop investi en elle et elle elle investit, elle sait qu'elle est dans la pomme de sa main donc elle est en train de tester d'autres options avec d'autres gars, frère. Donc Techniquement, elle est encore avec toi. Mais elle a pas besoin de, euh, Mais sur le papier, elle est avec toi, mais techniquement, elle n'est pas avec toi. Elle n'a pas besoin de le savoir. Okay? Donc, tu vas ouvrir tes options avec une autre gonzesse, avec d'autres gonzesses. Ça va te mettre dans un état d'abondance dans ton esprit. C'est-à-dire que tu ne seras pas autant attaché à elle. ok Et ça, tu ne l'appelles pas. Tu n'appelles rien. Tu attends qu'elle t'appelle. attends, attends qu'elle initie le contact. Deux, trois textes au max, etc., etc. Et tu dis, viens, on se capte. faut que ce soit elle qui vienne vers toi. Parce qu'elle, elle va vers d'autres gars. Faut que ça soit elle qui s'investisse petit à petit en toi. Ok? Et là, toi, tu peux la placer dans ta rotation. D'accord? Ok? Si, si, au bout d'une, voilà, deux semaines, trois semaines, que tu la vois de temps en temps, ok? Ce qu'il faut que tu fasses pour maintenir le niveau d'intérêt, parce que là, son niveau d'intérêt va augmenter. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à tester l'autre mec ou les autres gars avec qui elle est. Et si toi, t'as eu une longue période de temps, c'est-à-dire une longue connexion émotionnelle avec la gonzesse, gros, ok? d'accord ce que ça va faire c'est que elle va se souvenir de toi tu vas lui manquer ok et elle va venir vers toi d'accord ici si, dans, dans cette période tu dis où c'est qu'on est tous les deux on, oh, on est ensemble etc tu dis là il va falloir que tu discutes tu dis simplement ah prenez les choses, prenons les choses à la légère et tout tranquille et tout tu vois je sais pas voilà tu vois il se passe il se passe beaucoup de trucs essentiellement il va falloir jouer le jeu c'est pas, pas un jeu que beaucoup peuvent faire. Bon, moi, personnellement, parce que j'ai du contrôle émotionnel, les mecs, d'accord C'est ça qui compte, ok T'investis pas trop dans des personnes qui sont pas fiables comme ça. Donc dans le deuxième cas, où c'est qu'elle commence à tester ses options, elle aussi va falloir qu'elle devienne une option pour toi. Pour la ligne Tu te remets pas avec elle. Parce que si tu te remets avec elle, elle t'a déjà montré qui elle était. Et tu peux pas la changer. C'est un mythe, ça, changer les gens, etc., non. Ok et lorsque t'as trouvé mieux, tu te tailles. Okay? Point la ligne. D'accord? Les mecs vont reprendre le pouvoir, on reprend, on reprend le contrôle de la situation. Ne sois jamais une, une victime des circonstances. Utilise les circonstances à ton avantage, frère. Le pragmatisme, les mecs. J'en ai rien à carrer. Okay? Donc, ne cours jamais après une femme qui se distancie. Ce que t'es en train de montrer, c'est que tu manques de contrôle émotionnel. T'es trop investi dans la relation. T'as trop d'énergie féminine. Et de trois, c'est que t'as pas d'autres opportunités avec d'autres nanas. Ok, d'accord, ça c'est important. Ensuite, si tu veux récupérer une ex, etc., tu lui envoies plus de messages, rien, tu tournes ton dos, tu restes cordial, ne montre pas que ça t'a affecté. Ne commence pas à parler à ses copines, à à ça. Excuse, à dire, ouais, est-ce qu'on peut se revoir, etc. Non, ok, tu fais comme si ça n'existait pas, je la laisse revenir à 100% vers toi. Si c'est elle qui a rompu, si c'est qui a rompu, c'est à elle de réparer la relation. C'est elle qui a mis un terme à la relation, donc c'est à elle de réparer la relation, pour la ligne. Si elle fait pas ça, tu fais rien. Tu vis ta life et tu, tu cherches une autre gonzesse. Si une nana elle a ouvert ses options, malgré qu'elle est avec toi, sans être avec toi, là, il va falloir que toi, tu acceptes la réalité, tu te dises, bon, c'est comme ça, elle est avec Jason, épuisée, etc. Toi, ce qu'essentiellement c'est que tu vas lever ton attention. Et ce qui va se passer, c'est que la majorité de ces gars-là, ils font partie des 95%, les mecs. Lorsqu'ils vont se faire tester, parce que toi, t'as eu une connexion émotionnelle avec elle, lorsque eux, ils vont se faire tester, la majorité du temps, ils vont louper ces tests. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à devenir trop émotionnels, ils vont commencer à développer des insécurités, s'il faut, tu parles à un autre gars, etc., etc. Tout ça. Tous, tous les trucs qui mettent les femmes off. Une dame, elle veut que t'en aies rien à carrer, hein, en, en somme. C'est-à-dire que tu t'en fiches, t'es là, ouais, t'es un peu investi, t'es cool, etc. Mais tu te montres jamais dans le besoin, ni tu montres des insécurités. Lorsque tu es trop jaloux avec une gonzesse, ce qu'elle est en train de, de comprendre, elle, c'est que tu penses, elle se dit que toi, tu penses quoi? Que tu penses qu'elle peut trouver mieux que toi. Donc, essentiellement, que as perdu confiance en toi. Je répète, elle pense que elle peut trouver mieux que toi parce que tu as perdu confiance en toi. D'accord, les mecs? Allez, les gars, restez connectés. Grosse dédicace à l'abonné. Faites péter les watts, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez, check.